Ok tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir la Pokébox, Mew V, voilà. Il me semble que en gros ce qu'ils ont fait pour ces Pokébox là, c'est mettre des rares directement au lieu de mettre des promos. Il me semble que c'est sur ces Pokébox là que j'avais vu une vidéo qui disait ça. Alors je sais plus, donc je m'avance en rien. Mais il me semble que c'est ça, voilà. Et du coup, je vais ouvrir la Pokébox. Et je reviens quand je l'ai ouverte. Donc voilà, je viens de l'ouvrir. Du coup, désolé, vous la voyez pas en entière, voilà. Si je mets comme ça, vous pouvez la voir en entière le temps 2. Et je viens de m'apercevoir que mon appareil photo n'a plus que 2 batteries. Il en avait 4, bon, ok. Du coup, on a un Flacados, si je me trompe pas. Et bah, le petit Mew. Du coup, c'est la première fois que j'ouvre une Pokébox, pour être tout à fait honnête. J'en ai jamais acheté, j'ai toujours acheté des boosters, des coffrets ou quoi. Mais jamais directement une Pokébox. Du coup, on a ça comme ça, ok, c'est mis comme ça, d'accord. Alors du coup, je sors juste un petit protège-card pour mettre directement la Mew. V, oula. Ah oui, il y a le petit code. Elle est vraiment très très belle en carte. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'ouvre la deuxième Pokébox. Donc je ne l'ai pas achetée. Donc c'est Flagada si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, dites-moi voilà, en commentaire. Enfin, j'ai bugué parce que je demandais en même temps si c'était bien ça le nom du Pokémon. Parce que je m'en souviens plus. Du coup voilà, très très belle carte. Donc là on a un petit code mais que je garde. Et du coup on a... Ah ok, c'est fait avec directement des cartes comme ça. Et des cartes, okay. Donc, on va les enlever. On va enlever, hop. En plus c'est grave pratique. Ah on a un Lucario là. C'est grave pratique ça parce que pour pouvoir ranger les cartes. Alors du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, en fait j'ai éteint la caméra pour pouvoir faire une photo pour essayer de faire une miniature bien. Parce que les miniatures que j'ai sur mes vidéos, c'est des miniatures directement faites par YouTube. Et du coup, bah voilà, je voulais essayer de prendre une plutôt belle photo pour avoir une belle miniature. Alors du coup, on a le booster Celebi voltage éclatant. On a un deuxième voltage éclatant. Un épée bouclier et un soleil et lune, invasion Camille. Donc ce que je propose c'est que on ouvre les voltages éclatants en dernier. Et qu'on ouvre d'abord soleil et lune et après épée et bouclier. Voilà. Alors du coup. C'est parti. Oh là là. Ça commence mal, j'ai déjà du mal à ouvrir le booster. A chaque fois j'ai eu du mal dans les dernières ouvertures à ouvrir les boosters, il y avait des ultra rares. Il y en a une. Oula. Donc c'est parti pour le premier booster soleil et lune. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'espère qu'en soleil et lune c'était ça et pas un autre. Je sais plus du tout. Donc je pense que comme ça c'est bon. Alors on commence avec un petit 9. Magikarp, Chinchidou, Écrapince, Sankoki, Énergitaire, Rhum Combat, Galcon, Romsi, Elmoga en reverse et okay, Colomar en rare. Bon. C'est le premier booster, on ne peut pas avoir tout de suite quelque chose de bien. Du coup, on continue tout de suite avec le deuxième booster épée et bouclier. Celui-ci était déjà beaucoup plus facile à ouvrir. Désolé, vous n'avez pas vu. Mal cadré. Hop. Alors le booster mange les mis là, il s'ouvre. Donc le petit code, je le garde pour moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et c'est parti. Avec un
du Naja, j'aime bien. Voltoutou, oh tiens, je crois que je l'ai jamais eu lui. Épée bouclier, je sais même pas si j'en ai ouvert des épées boucliers. Wistampo. Charibari, pardon. Balbuto. Énergie. Nabil. Colodome. Potion. Moticyclette en reverse. Et. Oh! Ok, ça commence bien. Quel DOV. Ok. Très belle carte. Alors, du coup, heureusement, j'ai prévu les protège-cartes qui sont ici. Et on va la protéger directement. Faut être sûr qu'elle s'abîme pas. Est-ce que c'est sur le... Ouais, non, je crois que c'était mon protège-carte qui avait un point blanc. Je sais pas. Attendez. Ouais, si c'est mon protège-carte. La carte, elle est parfaite. Vraiment très très belle carte. C'est génial hein, pour un deuxième booster si les deux autres boosters pouvaient avoir pareil, enfin ultra rare. Ce serait vraiment super. Alors je vais juste les mettre là. On y reviendra à la fin. Et du coup, bah on continue avec le troisième booster, le premier booster, voltage éclatant, donc épée et bouclier. Alors, le petit code, hop. Et donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, c'est parti. Avec un Riolu. Kelocroc. Picasso. Deden. Axolotl. Energie O. Feiza. Sally. Pifeuille. Oh, Charmin holographique. Reverse, pardon. Qui est vraiment... Je l'ai pas. Elle est vraiment très belle, j'aime bien. Et... Oh, j'espérais. Voltali, bah, en rare. Peut-être c'est un booster sur deux hein, qu'on va avoir d'ultra rare. Alors, du coup, j'ai quand même la mettre là. Parce que c'est quand même une... Plutôt belle carte. Et Molga aussi, on va la mettre là. Et c'est parti pour ce dernier booster. On met toute la chance sur ce dernier booster. Essayer de pas faire tomber les cartes. Là, je sais pas comment je les ouvre aujourd'hui, les cartes, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc, pareil, le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti. Alors, on commence ce dernier booster avec Embrochet, Doudouvet, Miaouz de Galar, très belle illustration, Axolotl une nouvelle fois, le petit Salamèche. Une énergie, là, Stade Winscore, Megavolt, ok, Chevroux, j'ai l'impression de voir quelque chose, je sais pas, Voltorb en reverse et, oh bah ok, on est Shaymin, je crois que c'est comme ça, Shaymin, en holographique. Elle est vraiment très belle. Alors, je suis en train d'essayer de prendre en même temps des petits protège-cartes. Enfin, un petit protège-cartes. D'ailleurs, un peu abîmé. Hop. Attendez, excusez-moi. Hop, pardon. Alors, du coup. du coup, on a eu, voilà, on l'a eu en holographique et en reverse. En reverse, en holographique. Vraiment très très belle carte en holographique. Les holographiques, je les trouve vraiment très belles comme carte. Alors, du coup, on a aussi le petit temps. Donc, cette ouverture, elle était plutôt quand même pas mal. Hein.
vraiment. Alors, elle était plutôt pas mal ouverture. Donc pour revenir, pour récapituler, ouais bon, j'ai, je sais plus comment on dit le mot, mais vous avez compris. Pour résumer, on va dire que ça va être plus facile. Pour résumer, du coup, on a eu un petit Voltorb en reverse. Oula. Un petit Emolga en reverse aussi. Shaymin en reverse. Shaymin en holographique. On a eu le petit Caldeo V. Voilà, vraiment très très belle carte. Et bah, du coup, on a eu la Mew V. Mais du coup, comme je l'ai dit, c'est un numéro. C'est un numéro, donc ça doit être, je sais pas, ça doit être dans la collection. Je sais pas dans quelle collection ça doit être, mais ça doit pas être une promo. Parce que quand c'est des promos, c'est genre en SM, ou je crois que c'est ça, ou ce genre. Mais... dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais du coup, je suis plutôt contente de cette ouverture, voilà, pour la première fois que j'ouvre une Pokébox. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ouvert cette Pokébox. Et ce que vous avez, voilà, si vous avez quelque chose. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre aussi la deuxième Pokébox. Après, ça va dépendre de quand sort cette vidéo. Parce que je sais que demain, je vais essayer d'aller acheter les coffrets avec la collection Destinée Radieuse. Parce que j'ai un magasin qui est près de chez moi, qui doit en recevoir demain normalement. Du coup, je vais essayer d'y aller. Enfin, je vais essayer qu'il y en ait encore quand je vais y aller. Et du coup, bah, je sais qu'il y aura des ouvertures, mais... comme avant celle-ci, j'ai déjà une autre ouverture de filmée, du coup, à sortir après. Du coup, je ne sais pas si les autres. L'autre Pokébox sera encore disponible. Voilà. Mais si vous voulez que je l'ouvre et qu'elle est encore disponible, et eh ben, je l'ouvrirai avec plaisir. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture. Bisous!